Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Faut prendre place. Amen. Amen. Moi, je m'appelle Frère Patience. Je viens de l'Allemagne. Le Seigneur m'a fait grâce d'être aussi parmi vous pour nous encourager, moi et vous. Et comme nous le savons bien que le Seigneur revient bientôt, nous devons nous préparer. Oui. Donc la vie chrétienne ne consiste pas seulement à prêcher, mais vous-même, vous devez vous préparer aussi. Parce que nous ne savons pas les jours que le Seigneur va revenir. Personne ne connaît les jours ni l'heure. Donc nous sommes vraiment obligés à nous préparer. Donc les gens qui veulent rester, ils ne se prépareront pas. Ils vont rester. Donc ceux-là qui veulent vraiment être avec le Seigneur ces jours-là, ils doivent se préparer. Le temps est déjà fini. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est le temps vraiment d'avoir beaucoup de discipline dans sa vie chrétienne, dans toute nos vies chrétiennes. Donc vraiment la discipline. Si on n'est pas discipliné devant Dieu, Dieu ne nous prendra pas. Vraiment avoir la discipline. Parce que vous allez voir la vie de beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés devant Dieu. Ils se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne vivent pas la vie de Dieu. La vie de Dieu ne consiste pas d'être d'abord ensemble comme ça, mais c'est une vie de communion avec une personne qui est sainte, pure. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas là pour amuser la galerie, mais nous sommes là tout simplement pour apporter un peu ce que le Seigneur nous a donné. Peut-être ça va te faire du bien. Amen. Je vais parler par rapport à la séduction. À ce temps de la fin que nous sommes, le diable utilise beaucoup de manières pour affaiblir les enfants de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi savoir comment est-ce qu'il arrive à rentrer, à pénétrer dans nos vies. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 24. Je commence à partir du verset 1, Matthieu 24. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses, et je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. » Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples virent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus répondit, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça que le Seigneur a dit aux disciples. Ils devraient, eux, prendre garde pour qu'ils ne soient pas séduits. Et si nous continuons ce texte, nous allons voir que le Seigneur nous a cité quelques types de la séduction. Nous allons prier pour que Dieu nous assiste. Seigneur, te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous laissons ce temps, Père éternel, entre tes saintes mains. Conduis-nous par ton esprit. Esprit de Dieu, nous laissons, Papa, tous ces lieux entre tes saintes mains. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu nous entends, tu nous écoutes, Seigneur. Nous croyons que tu vas nous fortifier. Nous croyons que Père éternel, tu nous as envoyé, Père éternel, dans cette terre pour parler de toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Je crois que ta présence est parmi nous. Je le crois, Seigneur, parce que c'est toi seul qui nous fortifie.
Nous te bénissons, Père éternel, Papa, du commencement jusqu'à la fin. Nous laissons toutes choses entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prenez garde que personne vous séduise. Je continue ma lecture. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Ça, c'est le premier type de séduction. Plusieurs viendront sous le nom de qui? De Jésus. Et c'est le cas aujourd'hui que nous voyons. Il y a beaucoup de gens qui sont débarqués avec le nom de Jésus, mais en réalité, ils ne sont pas les disciples de Jésus. Nous devons prendre garde. Ce n'est pas tout prédicateur que vous allez rencontrer quelque part qui prêche le nom de Jésus qui appartient directement à Christ. Non! Ils vont prendre seulement les noms, ils vont utiliser ça selon eux. Et comme l'Église aussi n'a pas vraiment l'écoute de l'Esprit, ils vont croire que non, ces gens-là sont de Dieu. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Le diable va séduire beaucoup de gens. Et si Dieu ne nous fait pas grâce, personne ne va accéder à l'enlèvement. Personne. Donc Dieu, vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Parce que vous allez voir quelqu'un apparaître devant vous, qui parle bien, qui a beaucoup d'onction, qui a tout. Et vous aussi, comme vous n'avez pas la connaissance, vous allez croire que c'est un prophète. C'est un évangéliste, c'est un apôtre, c'est un enfant de Dieu. Et vous allez lui donner aussi votre cœur, croyant qu'il est Dieu. Mais en réalité, il ne l'est pas. Si l'Esprit ne vous aide pas, vous n'allez pas comprendre qu'il n'est pas de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé, avant que je commence même de parler ici, la discipline avec l'Esprit. Parce que l'Esprit connaît bien les temps que nous sommes. Le Saint-Esprit connaît bien les hommes qui prêchent l'Évangile, s'ils sont de Dieu ou s'ils ne le sont pas. Il connaît. Et pour que nous arrivions aussi à comprendre que ces gens-là ne sont pas de Dieu, nous avons besoin de la révélation de l'Esprit. Sinon, nous allons passer à côté. On va se faire avoir par les diables. Ils vont se déguiser. Les gens vraiment vont croire qu'ils sont de Dieu. Ils vont parler. Ils vont avoir de belles paroles. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller au ciel ici? Bien aimé, je vous dis une chose. Je vous dis ma vie. La discipline avec Dieu. S'asseoir comme ça, c'est encore rien. Mais à la maison, qu'est-ce que tu fais? Ça, là, quand vous venez comme ça, tout le monde tremblote, il y a l'onction, il n'y a pas de souci. Mais à la maison, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Parce que tu te prépares. L'enlèvement, vous devez préparer pour votre enlèvement. Vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Donc la premier type de sélection que nous voyons, c'est par la parole. On va utiliser le nom de Jésus comme une marchandise. Vous voyez? On prend ses mains et le nom de Jésus, on le met devant. Mais en réalité, en dessous, il y a quelque chose qui se cache. Le nom de Jésus est prêché, mais la réalité, c'est autre chose. Amen. La réalité, c'est autre chose. Et les gens vont commencer à battre les mains. Ah, yes, Jésus, c'est Jésus. Mais en réalité, c'est un faux Jésus. Ce n'est pas un vrai. Regardez comment les gens aujourd'hui courent après les hommes de Dieu. Courent après les... Attends. Comment les gens rentrent dans l'internet pour aller chercher le message? Bien, mais le message n'est pas là. Le message est tout près de ton cœur. La parole que tu as, lis ta parole à la maison, prie Dieu. Et Dieu lui-même va se révéler à toi. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut nous sauver. Il n'y en a pas. Il n'en aura pas non plus. Il n'y a que Christ qui peut nous sauver. Si vous voulez vous attacher aux hommes, vous allez passer à côté. À côté, vous allez vous attacher aux hommes, vous allez passer à côté, bien-aimé. Et moi, le premier. Et
Regardez un peu la vie chrétienne d'aujourd'hui. Cette vie chrétienne est collée au miracle, au signe et au prodige. Mais les gens commencent à s'éloigner petit à petit de la parole. Petit à petit. Petit à petit, les gens aiment voir des choses, des spectacles. C'est ça que les gens veulent. Mais ton âme, bien-aimé, prenons garde. Prenons garde. Parce que le temps est mauvais. Le temps vraiment est mauvais. Les hommes viendront, nous les voyons comme ça, à l'œil nu. Nous les voyons comme ça. J'étais récemment à Kinshasa, j'ai vu la manière dont les gens prêchent l'évangile là-bas. Mais c'est terrible. C'est du n'importe quoi. Mais ils ont du monde. Ça m'étonnait. Ils prêchent n'importe quoi, bien-aimé. Ces gens-là sont des impudiques. Les gens qui n'aiment pas Dieu, ils ont rejeté Karma Christ, mais ils sont adulés par le peuple. Mais ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Divorcés, remariés, mais ils traînent des grandes foules. J'ai mis, attends, c'est ce qu'est l'onction ça. Je me suis étonné. J'ai dit, Seigneur, donc c'est toi qui as béni ces gens-là. Je ne crois pas. Parce que la parole nous dit clairement que ces gens-là viendront avec le nom de Jésus. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Ils sont du diable. Mais ils prêchent Jésus. Et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre que c'est la fausseté qui prêche. Ce n'est pas la réalité. Mais quand la réalité vient dans le cœur de l'homme, il y a un changement. Alléluia. Un changement. J'ai rencontré quelques chrétiens à Kinshasa. Ils m'ont dit, ici pour gagner les âmes, il faut les mentir. Parce qu'ici les gens ne croient plus. Mais vous dites, hein? Ici les gens ne croient plus. Donc il faut les mentir pour croire. Eh, j'ai dit, mais c'est terrible. Quel évangile? Parce que si vous amenez un vrai évangile, et ils ne croient pas à ça, il faut aller avec les mensonges. Alors, et ils vont croire. Ils vont croire à qui? À Jésus? Non. Ils vont croire au diable. Ça, ce n'est pas Jésus. Amen. Prenons garde. Si Dieu vous a fait grâce d'écouter un bon message, bien aimé, restez avec ce message. N'allez pas chercher ici et là. Vous cherchez quoi? On cherche Jésus. On ne cherche pas des hommes. Nous avons la parole et restons avec la parole. Restons avec la parole. La séduction. Quand ça rentre subtilement. Tu ne verras pas que ça rentre dans ta vie. Tu ne verras pas si tu ne te fais pas grâce. Tu ne vas pas voir que tu es déjà en dehors du droit chemin. Et ces mots que nous parlons ici, la séduction, que le Seigneur a dit aux disciples, séduire, c'est être amené du droit chemin. En dehors du droit chemin. La séduction. Vous voyez? Donc, le diable, quand il vient, il cherche les voies et moyens à nous sortir du droit chemin. C'est ça la séduction. Sortir karma de la vérité. Donc vous allez plus aimer les mensonges que la vérité. Quand la bonne parole est prêchée, toi tu seras contre ça parce que tu es déjà sorti du droit chemin. Tu es déjà séduit par les diables à travers les prédicateurs.
Au jour d'aujourd'hui, il y a la loterie qui est jouée dans des assemblées. Vous savez ça, non? La loterie. Oh, mais vous vous étonnez, vous êtes où? Vous habitez dans quelle planète? Nous sommes sur la Terre, n'est-ce pas? Mais oui, quand quelqu'un dit, donnez-moi 10 000, vous allez récupérer 100 000. C'est quoi? C'est la loterie. La loterie. Un prédicateur qui débarque, qui apparaît dans une assemblée, qui dit que non, les gens qui ont 10 000, les gens de 10 000 sortent, ils viennent. Donnez-moi les 10 000, vous allez récupérer 100 000. Où vous avez vu ça dans la Bible? Est-ce que Jésus même a prêché ça? Non. Pierre a prêché ça? Non. Barthélemy? Non. Paul? Non. Mais vous allez voir, il traîne du monde. Parce que le cœur de l'homme c'est le cœur de ces gens de personnes est collé à l'argent. Est collé à l'argent. Donc s'ils suivent Jésus, ça cause de l'argent. Et lorsqu'ils rencontrent des ministères comme ça, ils disent, waouh, nous sommes arrivés. Il y a d'autres à Kinshasa, et ils sortent l'argent dans les sacs de maman. Bien, c'est la magie karma dans les assemblées. Vous allez voir le monde. Beaucoup vont aller en enfer à cause de l'ignorance. L'ignorance. Alléluia. La séduction par les hommes de Dieu d'abord. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne vois plus un homme de Dieu. Je ne vois que Jésus. Je ne vois plus rien. Ma vie, c'est Christ. Si les gens veulent de moi, oui. Si vous ne voulez pas, je m'en fous. Le jour que j'ai été créé, j'étais seul avec mon Dieu. Et le jour que je partirai aussi seul. Je ne veux pas faire des associations avec des gens. Je ne veux même pas. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je serai devenu demain sans Christ. Sans Christ. Où seriez-vous sans Christ? Alléluia. Le prince de la paix. Sans lui, il n'y a rien. Sans Jésus, il n'y a rien. Alléluia. Nous continuons notre lecture. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que les commencements de douleur. Alors ils vous livreront au tourment et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront plusieurs. Regardez un peu le taux des gens qui s'appellent prophètes aujourd'hui, comment ça monte. Les gens ne veulent plus être des pasteurs maintenant. Vous allez remarquer que le taux de prophètes va s'augmenter. Les gens vont vouloir être appelés prophètes parce qu'ils veulent prophétiser. Ils veulent prophétiser avec quel esprit? Pas l'esprit de Dieu. Donc ils vont venir avec des prophéties comme ça. Ils arrivent comme ça devant toi. Ils commencent à prophétiser. Tu es comme ça. Il y a des vrais. Je ne dis pas qu'il y a toujours des faux. Il y a aussi des vrais. Mais leur manière d'agir, parce qu'ils ont un esprit qui n'est pas de Christ, ils vont séduire les gens. C'est pour nous sortir tout simplement du droit chemin. Donc en gros, c'est l'égarement. Amen. L'égarement. C'est ça que le diable veut atteindre. La fois dernière, je priais. J'étais au salon, je priais chez moi en Allemagne, je priais. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que la plupart de tous les pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, tous ces gens que je n'ai pas envoyés, ils ensorcellent mon peuple. Moi, j'ai dit, waouh. Il m'a dit,
La plupart de tous ces gens qui ne suivent pas les gens que j'ai envoyés, moi, ils sont devenus des sorciers. Moi, j'ai dit, ouh, c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans votre caractère, on vous presse des choses, mais vous n'arrivez pas à gober les vraies choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Bien aimé, nous devons aimer Dieu pour éviter toutes ces choses. Sinon, si on n'aime pas Dieu, nous serons vraiment passés à côté. Nous allons aller à côté. Nous serons vraiment à côté de la plaque. On se dit chrétien, mais Dieu te voit, non, c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est un fils du diable, carrément. Alléluia. Dieu me donne, il me donne un verset, je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça. Prenez le livre de 1 Jean. C'est ce que le Seigneur vient de me donner. Ça, je n'ai pas préparé ça. Et en plus, je ne savais même pas que je devrais prêcher. Je suis arrivé aussi, on me dit, passe là-bas, il y a des gens qui sont déjà là-bas, va aller apporter la parole. 1 Jean chapitre 3. Au verset 9. Qui veut lire? 1 Jean chapitre 3, verset 9. Oui. Ah. On reprend encore ce verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la semence de Dieu est ancrée en lui. La semence. Bien aimé, si vous n'avez pas la semence de Dieu, demandez-la. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Non. Pratiquer les péchés, non. Ça ne marche pas. Si tu es là, est-ce que tu pratiques encore, ça, sur le cœur, tu es du diable. Je ne vais pas mâcher les mots. Tu es du diable. Si tu es là encore, tu veux qu'on te caresse dans l'essence du poil, sache-le que tu es du diable. Et tu, la sémence de Dieu est dans son cœur. Donc cette sémence empêche toute sémence, autre sémence qui veut venir vers toi. La sémence est là à combattre. La sémence de Dieu. Donc pour que nous vainquons la séduction, nous avons besoin d'une sémence. Cette semence-là, quand ça demeure en nous, c'est fini. C'est comme si je suis déjà saturé. Alléluia. Saturé. Si le diable vient avec sa semence, ça ne rentre plus. Fini. Il est mal barré. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas les péchés. Ne pratique pas. Il hait les péchés. Il fuit les péchés. Il n'aime pas les péchés. Parce qu'il sait que ça va lui séparer avec son père. Est-ce que Dieu est ton père? Bien-aimé, si Dieu est ton père, bien-aimé, tu es secouru. Tu es dans une sécurité. Dans un périmètre où personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut t'atteindre. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Parce que la sécurité de Dieu est là. Même si les sorciers se lèvent, bien aimé, ah là, là, c'est la bassesse encore. Sorcier, c'est rien. Ils vont tourner en rond. À cause de la sémence que Dieu te donne. La sémence de Dieu. Ça va te protéger. Tu vois les belles filles comme ça, tu dis non, 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 je ne fais pas à cause de l'excellence de mon Dieu. De l'excellence. Oh, je bénis Dieu parce que Dieu est grand.
est amour. Bien-aimé, cherchons le ciel. Cherchons le ciel. Il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Il n'y a personne qui peut nous donner ces beaux cadeaux. L'enlèvement. Alléluia. La semence. Est-ce que tu as la semence de Dieu? Est-ce que tu tombes encore? Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui tombent encore ici? Est-ce que tu es là? Tu tombes encore dans les péchés? Tu veux qu'on prie pour toi maintenant là? Y a-t-il des gens ici? Regarde ce que la Bible me dit. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu ne sais pas si tu vas vivre encore demain, je ne sais pas. Vous voyez? Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le cœur de l'homme est torturé par le dessus tout, il est méchant. Nos cœurs sont méchants devant Dieu. Nous sommes méchants. Méchants. On se dit enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Mais ce que nous faisons à la maison, c'est autre chose. Quand personne n'est là, tu es seul. Tu commets tes bêtises. Tu crois que Dieu ne voit pas. Mais l'assemblée, c'est comme si faire semblant, c'est comme si, hein, c'est comme si Dieu n'a pas, il t'a vu, mais il t'accorde encore la grâce. La grâce. Alléluia. Il nous accorde encore la grâce. N'aimez pas les péchés, bien-aimés. N'aimons pas les péchés. Pourquoi? Ça va vous amener en enfer. Celui qui est né de Dieu ou né d'en haut ne pratique pas. Il ne pratique pas les péchés. Amen. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Ce n'est pas une publicité, mais je l'aime. J'aime mon Dieu. Je suis passé dans beaucoup de difficultés et je ne savais pas au commencement pourquoi Dieu m'appelait à vivre ce genre de choses. Mais c'est maintenant que je commence à comprendre un peu. Il a voulu que je passe dans ce chemin-là pour me former. Et dans l'entretemps, je commence à sentir l'amour de Dieu s'augmenter encore dans mon cœur. Et je commence à m'attacher plus à Dieu parce que je sais que telle souffrance où je suis passé, et Dieu m'a donné aussi la délivrance. J'ai dit, waouh, donc il est comme ça. Il présente une preuve comme ça et lui-même aussi est la solution. Tout cela, c'est pour me former, pour te former aussi. Pourquoi? Parce que la séduction est très, trop forte à tel point que si Dieu ne nous tend pas la main, nous passons à côté. La séduction par la parole troquée des gens. Une parole édulcorée qui n'est pas de Dieu. Falsifier cette parole. Ce n'est pas une vraie parole. Mais les gens suivent. Amen. Suivez-moi très bien. Un enfant de Dieu ne pratique pas les... Tu peux te cacher là où tu es. Oh, je ne sors pas. Mais lui, il est qui? Restez. Tu ne vas pas rester éternellement. Tu mourras un jour. Et ce jour-là, ça va te payer ton incrédulité. Amen. Nous prenons encore un autre verset. Nous allons voir la séduction, notre type de séduction. 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 6.
partir du verset 7. Je lis. Hein. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et aussi, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés, ils sont devenus possédés, mais enfants de Dieu, possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Ça, c'est la séduction par l'argent. Paul conseille ici, il nous conseille que nous n'avons rien apporté. Qui, le jour de sa naissance, a apporté un bouton? Une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Qui a apporté? Une lunette. Une chemise. Rien. Nous n'avons rien apporté. Nous sommes nus. Et nous allons retourner aussi. On va rien apporter. Rien. Et le diable va tenter beaucoup des enfants de Dieu comme ça à cause de l'argent. Les gens veulent s'enrichir. Les enfants de Dieu, mais ils ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. Et d'autres vont encore, ils vont aller encore se faire des crédits. Et c'est comme ça que l'argent rentre dans les vies des gens. C'est la séduction. L'argent. Et Paul dit que ça éloigne les gens loin de la foi. L'argent. Money. Ça t'éloigne loin de Dieu. Et si l'argent prend la place dans ton cœur, l'argent devient directement Dieu. Il devient Dieu directement. Celui-là qui va commencer à diriger ta vie. Tu verras que l'argent. La séduction. Nous sommes dans un temps où nous devons faire attention en tant qu'enfant de Dieu. Parce que les diables peuvent venir par beaucoup de chemins. Par plusieurs chemins. De la séduction par l'argent. Et nous le voyons. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont sortis comme ça. Ils prêchent que l'argent. Il n'y a que l'argent. Et ils entraînent beaucoup de monde. Parce que les gens aiment l'argent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Pourquoi? Ça va nous amener loin de Dieu. L'argent ne répond à tout, mais ne répond pas à l'enlèvement. Ça répond seulement aux besoins qui sont ici sur la terre. Mais ça ne te donne pas l'accès au ciel, l'argent. Tu peux bien vivre sur la terre. Mais le jour que nous serons là-bas, Dieu ne va pas dire que tu as bien mangé sur la terre, non? Il va nous demander ça. Parce que nous avons eu crainte de Dieu. Et Dieu va nous louer. Alléluia. Les gens, du moins, qui seront là-bas, à cause de ta crainte, tu vas dire, waouh, ma fille, tu as combattu les bons combats. On t'a séduit de toute manière, mais tu as dit non. Je ne vais pas à cause de l'excellence de mon père. Je ne vais pas. L'argent. Et si vous avez aussi des amis qui aiment beaucoup l'argent, il faut le fuir. Séparez-vous avec des amis comme ça. Il y a d'autres amis, leur pensée c'est toujours l'argent. Je vais devenir tel. Et toi, si tu es à côté, si tu dis, moi aussi je vais faire comme lui. Mais tu oublies que ça va t'amener loin de ton père. Alléluia. Ça va t'amener loin. L'argent. Comme Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, donc il disait que les mauvais amis corrompent les bons mœurs. Tu veux être détruit? Tu dois bien contrôler même les milieux là où tu vis. Tu dois contrôler quel ami que tu traînes avec. Tu dois contrôler.
Moi, j'ai même pas des amis. J'ai même pas des. Je sais même pas quelle année que j'avais un ami. J'ai même pas des amis. Je quitte le travail, je viens à la maison, je reste à la maison, je prie, je lis ma Bible, je dors. Demain, le travail encore. Le temps où on fait ici, s'il faut se rencontrer avec des frères, on se rencontre. Mais les amis, non. Je suis pas des amis. Si tu dis que non, attends, pourquoi toi tu ne visites pas les gens? Le jour que tu mourras, il n'y aura pas de gens. Je ne verrai même pas si tu étais là. Je ne verrai pas. Si tu vas venir, c'est ton problème. Et moi, je ne verrai pas que si tu étais là ou tu n'étais pas là. Parce que je ne vais pas contrôler. J'adore les gens. Ben oui, beaucoup de gens se font des amis comme ça. Non, le jour que j'aurai des problèmes, lui va m'aider. Mais moi, le jour que j'aurai un problème, Dieu va m'aider. Mon père va m'aider. Si tout le monde ne vient pas, il va aller prendre peut-être des clochards, ils vont venir me plaire, c'est fini. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que nous nous faisons avoir, quand c'est comme ça. Ça, c'est le monde. Avec Dieu, un enfant de Dieu, il devient caïd. Les gens vont te dire, mais attends, il est devenu qui? La vie de la sanctification te change même le cœur. D'autres personnes vont dire, mais attends, il n'aime pas les gens, mais c'est comme ça, aimer pour Dieu, c'est comme ça. Il te sépare carrément. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, hein, la Bible me dit clairement. La Bible me dit clairement que Dieu lui-même nous a séparés avec le monde. Dieu. La sanctification, par définition, c'est la séparation, n'est-ce pas? D'avec le monde. Donc quand quelqu'un dit que je vis dans la sanctification, il se traîne encore avec des amis, des anciens amis, ça c'est pas la sanctification ça. La sanctification, les gens vont te montrer les doigts, il est devenu qui? Dieu te sépare carme avec tous les petits copains. Parce que la sémence est dans ton cœur. Ça empêche même les petits copains de venir. La sémence de Dieu. Vous voyez, cette semence-là, si cette semence est dans ton cœur, bien-aimé, les gens vont dire que tu es devenue orgueilleuse. Ah, orgueilleuse, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la sainteté. Quand ça rentre dans la vie d'une personne, ce n'est pas l'orgueil. Vous voyez, toi, tu sens que je suis propre. Ah oui, attends. Si tu es saint, tu le sens que je suis propre. Je ne veux pas me mêler avec des saletés. Tu le sens. Bien-aimé, si tu as la sémence de Dieu, tu le sauras que j'ai la sémence à moi. On ne viendra pas de te dire d'abord, non, c'est bien. Bien-aimé, Dieu m'a montré. Il va t'en montrer quoi? C'est écrit. C'est écrit que les gens qui sont nés de Dieu, ils ont une sémence en eux. Et cette sémence les protège. Ce n'est pas un prophète, même pas un pasteur qui me protège. Non plus un apôtre ou un prophète. Non. Quand je dors, l'apôtre aussi, il dort. Mais il n'y a qu'un seul qui ne sommeille ni ne dort. C'est mon père. Oh, Zacharia Santa. Mon père. Oh, Riaka Zacharia. Mon père. C'est lui. Les sorciers arrivent la nuit comme ça. Ils viennent, ils font des mouvements. Ton pasteur dort. Il ronfle même. Oh, père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel. Il n'y a qu'un seul père spirituel. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui. Même si tu es au bord d'un avion, il sait que cet avion-là va tomber. Et il va te dire déjà, ne monte pas dans cet avion. Mais ton pasteur boit du café là-bas quelque part. Ah! Bien aimé, aimant Jésus, il va te protéger dans toutes les circonstances. Toutes les circonstances qui vont se lever, Jésus va te protéger. Et ce qui m'étonne, même tu es dans un aéroport, il est là aussi. Tu vas sentir la présence de l'Esprit. Partout. Au travail, il est là. Oui. Au travail comme ça, tu sens un bien. Moi, je dis, waouh, alors c'est pas seulement dans l'assemblée. C'est partout. Père est là. Il est partout. Ne vous laissez pas séduire par les choses de ce monde. Parce que je n'ai pas telle chose, je vais commencer à abandonner Dieu. Hé, ne fais pas ça. Ça, c'est une erreur que tu ne pourras plus arranger dans toute ta vie. Ne fais pas ça. Personne n'est comparable à notre Dieu. Personne. Ni les choses de ce monde.
Il est sans pareil. Notre Jésus. Sans pareil. Alléluia. Sans pareil. Moi, je dis même aux sorciers, venez tout ce que vous voulez. Venez même les gens du quartier, venez. C'est comme ça que je fais mes prières. Venez. Mais venez. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que Jésus est là. Il est là toujours. Il est là en permanence. Si moi je dors, lui ne dort pas. Il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux venir comme ça? Paf! Il te refoule. Ne touchez pas, mais ouais. Ça, c'est mon ouin parce qu'il me craint. Et on nous a fait croire, c'est maintenant, les ouins, ce sont des pasteurs. C'est faux. Tout le monde qui craint Dieu est ouin. Tout le monde. Que ce soit un bébé, s'il craint seulement. Ouin. Il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 44. Dieu dit que je suis saint. Et vous aussi, vous devez être saint. Donc, toute personne qui craint Dieu est un saint. Ou une sainte. Que personne ne vous trouble. Pas de prophétie ou pas. Non, 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 non. Moi, je sais que je suis un. Tu t'appelles comment? Nana. C'est toi, Nana. Un Nana. Donc, moi, je sais. Je le sais que je suis saint. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne devant moi. Non. Dieu me montre. Il te montre quoi? Je suis déjà saint, moi. Je le sais, c'est écrit. Ça, ce n'est pas une prophétie. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Mais je le sais, c'est écrit. Si je marche dans la sanctification, je suis saint. Mais toi, tu viens devant moi, tu me dis que Dieu m'a dit tu es saint. Mais je le sais déjà, monsieur. Je le sais. Moi, je pratique cette vie. Ce n'est pas une prophétie. Il est écrit. C'est pourquoi nous devons rester bibliques. On nous trompe beaucoup, beaucoup par des faux prophètes. Nous devons faire attention. La séduction par les faux messages, la séduction par les hommes de Dieu, la séduction par l'argent, la séduction par les péchés. Les péchés. Les péchés. Nous allons prendre un livre. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 6. Je lis à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas les royaumes de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les méchants, les médisants, pardon, et les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Acclamons la parole. Bon, dis-moi, qui va venir me dire que non, Dieu m'a montré qu'il va te laver. C'est écrit. Alléluia. C'est ça que les gens appellent d'autres vies. Non, prophétie. Non, il m'a donné une prophétie. Mais c'est écrit. C'est ça que nous étions autrefois. On tombait dans beaucoup de choses, dans les péchés, la séduction. Tu avais le péché. Et maintenant, Dieu nous a fait quitter de là pour nous laver. Et il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Qui connaît la sanctification, c'est quoi? D'après vous, la sanctification, c'est quoi? La séparation. La séparation avec. Donc, la sanctification, c'est grand. C'est grand. C'est tout ce qu'on appelle monde. Nous devons nous séparer avec ça. Rester que pour Dieu. Pas pour les pasteurs, pour un évangéliste, ou pour quel sœur ou frère. Non. Rester que pour Dieu. Donc, tu vis que pour Dieu. Ta manière de t'habiller pour Dieu. C'est la sanctification. Il y a des gens qui viennent dans des assemblées comme ça avec des décolletés.
les habits décolletés, les corps, on voit les corps comme ça. Ils se disent que non, nous nous sanctifions. Quel type de sanctification ça? Les pantalons serrés, bien aimé, ça mène le péché dans l'assemblée. Et le diable séduit beaucoup de gens comme ça. La séduction par le péché. Nous, là où nous prions, si tu rentres comme ça, on t'amène une panne sur place. Si tu ne fais pas, tu pars. Va faire ta vie. Mais tu n'amènes pas le péché là où il y a les saints. Parce que quand nous prions, Dieu est là. Dieu est là. Mais non. Nous devons quand même craindre Dieu. Si nous disons que nous craignons Dieu, habillons-nous convenablement. Habillons-nous convenablement. Amen. Habillons-nous convenablement. Ça dessine partout. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est la sainteté? Non. La sainteté, quand Dieu est là, vous allez voir, la fois dernière, on m'a appelé dans une maison, juste une parenthèse. Il y avait des problèmes là-bas. Et je suis allé là-bas. Ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des gens seulement du monde. Et ils avaient des problèmes, ils m'ont invité d'aller un peu conseiller. Je suis arrivé là-bas, le Seigneur commençait à me parler. Le Seigneur commençait à me parler par rapport à la femme qui créait des situations dans cette maison. Et la femme, si vous voyez la femme, la manière même était habillée. Mais moi, j'étais là avec ma femme, indigne. J'étais, mais je pouvais même fermer les yeux. C'est malsain de voir ça. Mais j'aime Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, il peut arranger la personne dans quelques minutes. Dès que j'ai pris la parole, la femme commence à pleurer, commence à s'arranger. Ah, j'ai dit, Dieu est grand. Mais si Dieu est quelque part, il arrange les choses. Il arrange les choses. J'ai dit dans mon cœur, ah, Seigneur, merci. Parce que la manière dont elle était habillée là, c'est terrible. Elle pleurait, elle s'est mise à genoux, elle commençait à arranger ses habits. J'ai dit, waouh, Esprit de Dieu. Et nous qui sommes maintenant chrétiens, devons nous contrôler, n'est-ce pas? Devons nous contrôler. Oui. Quand nous nous habillons très mal, ça séduit d'autres personnes. Vous ne le voyez pas. Ils vous regardent. Ça tire les regards. Mais Dieu veut que nous soyons vraiment saints et saintes. Amen. Donc nous avons vu que la séduction par le péché, mais Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous délivrer de cette séduction, le péché. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans le livre de 1 Jean 3 que celui qui est né de Dieu, il est né comment? Parce qu'il était mort d'abord. Amen. Et Christ est venu le prendre là où il était dans la mort et il a sorti la personne. Il lui a donné la vie. Et cette vie, quand tu l'as, tu ne peux plus pratiquer. Toi-même, tu vas commencer à fuir les péchés. Tu vas commencer à fuir les péchés à cause de cette semence que Dieu a mise dans ta vie. Amen. Donc, bien-aimé, je peux vous encourager d'aimer Dieu réellement. Sinon, demain, vous allez passer à côté. Côté. Qui veut passer à côté ici? Soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Si je ne peux pas faire connaître mon péché devant les hommes comme ça, je vais aller le faire connaître à Dieu lui-même, à la maison. Je plie mes genoux, je lui parle. Je lui montre tout ce que je suis. Parce que lui seul peut me sauver. Lui seul. On va pitié d'une âme. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Les gens peuvent nous faire des éloges, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ces gens-là. Mais Christ nous connaît. Une personne qui laisse l'Esprit de Dieu lui conduire ne sera jamais séduit. Jamais. Je vous dis jamais. 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 Jamais.
Donc quand je suis avec Dieu, je sais que toute chose que je vais demander, même si ça dit, je l'aurai. Dieu va me le donner. Parce que mon Père. C'est mon Père. Dieu fait des choses à des fois. Ça peut dire. C'est pour notre formation. Aujourd'hui, il y a un type de chrétien qui aime les tic au tac. Tac au tac. Ah, comme ça, je prie le matin, à midi, j'attends déjà. Il va donner à quelle heure? Ça, c'est pas Dieu. Tu demandes aujourd'hui. Abraham m'a demandé, hein? N'est-ce pas? Ça a pris combien de temps? 25 ans, nuit, matin, midi, soir. Abraham me dit, mais attends, moi, je vais mourir comme ça. Dieu fera à son temps. Son temps. À son temps. Il va donner. Et tu vas glorifier Dieu aussi. Tu vas dire que Dieu merveilleux, tu m'as enseigné. Tu vas m'enseigner. Alléluia. Est-ce pas acclamer le Seigneur? Bien-aimé, aimons Dieu. Le chemin que nous avons choisi, c'est un bon chemin, mais ce n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est facile, il vous ment. Ce n'est pas facile. Il y aura des combats, des épreuves, des afflictions, des tribulations, beaucoup de choses. Mais ne baissez pas les bras. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu. Il a réussi le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que ma voix là, ça va trop bien.
nous voulons voir ta grâce. Protège-nous devant toi, Papa, les attaques de l'ennemi. Protège ces peuples, Seigneur Dieu. Protège tes filles et tes fils. Toi, seul Dieu, Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Yahweh. Personne n'est comme toi. Touche le cœur de mes soeurs, mes frères, papa. Ceux-là qui ne comprennent pas éternel Dieu jusque-là, que tu les as appelés. Tu les as justifiés et tu les protèges. Oh, que ton nom, Seigneur, soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, mon Dieu. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce nous protège, Seigneur Dieu. Que ta grâce nous guide. Que ta grâce, Seigneur Dieu, nous sanctifie encore, Seigneur. Que ta grâce nous sanctifie encore davantage, Père. Nous voulons vivre, Père éternel, avec toi. Nous voulons t'élever avec toi, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Que ta grâce nous visite. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de sainteté, Seigneur. Nous approchons devant toi avec nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, change nos vies. Change nos vies. Change nos vies. Change nos vies. Oh, que l'Esprit de Dieu nous visite en ces lieux au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de l'Esprit Saint nous visite maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu nous touche au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ta grâce, nous demandons ta grâce. Que ta grâce. Oh, que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce nous visite. Que ta grâce. Que ta grâce, Seigneur Jésus. Père, touche le cœur des gens qui n'arrivent pas, Père, à abandonner les péchés. Touche le cœur des gens qui n'arrivent pas à abandonner les péchés, Père. Qu'ils abandonnent les péchés, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta grâce, pour ta grâce. Alléluia. Ta grâce. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi,
Dieu, merci pour ton amour, ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, pour ta grâce. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te couronner, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'aimer davantage, Père éternel, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre force, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Papa. Que ton nom soit couronné, Papa. Que ton nom soit couronné, Papa, ce soir. Cet après-midi, Seigneur. Que ta grâce, Père éternel, coule à nous. Que nous gardons, te dit, la sainteté dans nos vies. Que nous gardons la sainteté. Que nous gardons la sainteté, mon Dieu, mon roi. Que la sainteté, Papa, soit gardée dans nos cœurs. Que la vie coule à nous. Que la vie coule à nous. Les gens qui veulent la prière peuvent approcher, je vais prier. Les gens qui veulent la prière, je vais prier. Oh, c'est ton amour. Ta grâce. Ta grâce, Yahweh, pour ta grâce. Oh, ta grâce. Croyons, nous croyons, nous croyons et nous croirons. Nous continuerons à t'aimer, Seigneur. Nous continuerons à t'aimer, Seigneur. Nous continuerons à t'aimer, Yahweh. Nous continuerons à t'aimer. Oh, Yahweh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Mon Dieu, mon Seigneur. Ma force, Seigneur. Oh, les rédempteurs de tous les temps. Te bénissons, Seigneur. Nous t'élèvons. Te magnifions. De tout un chacun des personnes qui sont devant ici. Je connais leur vie, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté, mon Dieu, mon roi. Père, au nom de Jésus de Nazareth, que ton onction, que ton onction qui délivre, Papa, que ton onction qui brise les jougs, que les jougs qui sont, Papa, dans les vies de mes frères et sœurs, soient brisés maintenant. Jésus de Nazareth. Que les jougs soient brisés maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que toute chose éternelle, Dieu, qui demeurait dans la vie de mes frères, sœurs, soit brisée maintenant. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons voir ta main dans leur vie. Nous voulons voir les changements, qui portent les changements. Là où il y avait les péchés, Père, t'en les pardonne. Que ton nom seul soit loué dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Si je prie pour vous, vous pouvez rentrer. J'appelle aussi les ministères qui sont dans la salle, qui peuvent venir pour prier. Mais au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, mon Dieu. Je brise toute chose qui ne confesse pas ton nom dans ses corps. Au nom de Jésus, que ton nom, son Père éternel, brise les jougs. Que la force de Yahweh, Père éternel, soit éternel. Soit illuminée, Seigneur. Qu'elle soit illuminée au nom de Jésus de Nazareth. Que la force d'en haut, Papa, lui vienne au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté. Que ton amour, Seigneur, Dieu, Papa, soit déversé encore dans son cœur. Qu'elle craigne encore Dieu. Qu'elle se donne complètement à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mais je renverse cette nature toute la vie qui ne te donne pas gloire, Père.
Si vous êtes malade, dites-moi, vous êtes malade. Hein? Père, au nom de Jésus de Nazareth, je brise toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Je renverse toute chose qui ne confesse pas ton nom. Oh mon Dieu, mon roi, que ta grâce lui soit communiquée maintenant. Que ta grâce lui soit communiquée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, et que l'onction de Dieu brise les choses. Que l'onction de Dieu brise. Que l'onction de Dieu apporte le changement de l'écran dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Oh, oh, Ria Sakaria Santa, oh, Ria Santa. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Père, que ton onction, que ton onction, que ton onction. Que ta grâce, Seigneur Dieu, qu'elle soit scellée, qu'elle soit scellée. Oh, Sakaria Santa, Ria Sakaya. Chose qui ne confesse pas ton nom dans ton corps, Père, que ton nom se soit libéré en elle. Au nom de Jésus, je renverse tout. Oh, Alléluia. Sakaya, Alléluia. Santa. Oh, Rasakaya, ya Santa. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oh, Sakaya, la Santa. Il est grand, il est puissant.